Bah, donc en gros, la réflexion ici, c'était serre fermée, bah, c'était suite à la réflexion de François sur la conduite anthropicale. Et en fait, j'ai mis les plans, j'ai fermé là, les 2 premiers mois la serre et j'arrose en aspersion. Dès qu'en fait, tu montes trop en température, pouf, je fais un coup d'aspersion pour refaire descendre la température. Et donc, tu te retrouves avec 90% d'humidité. D'un bout à l'autre, tu n'arrivais plus à voir l'autre côté. C'est-à-dire que tu avais tellement d'humidité, de brouillard, que tu ne voyais pas la serre de l'autre côté, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment le départ qui leur a fait vraiment du bien aux aubergines. Et je me retrouve, je te dis, avec. J'ai déjà fait, je sais pas, ça fait 3 semaines que j'en récolte. Enfin, j'ai pas compté en tout, mais j'ai eu entre 15 et 20 aubergines par pied. Et les aubergines, quand je les sors, alors ça, c'était récolté ce week-end. Donc on voit pas trop la grosseur, mais là, tu vois, c'est de la petite. Mais j'avais jamais réussi à sortir de l'aubergine, moi. À chaque fois, l'aubergine, tous les ans, ce que je sortais, c'était ça, quoi. Il y avait 3 fruits par pied, gros comme ça. J'arrivais pas à faire plus gros. Alors que là, je te dis, je te sors, bah, si on a un truc au bout, là, les aubergines du nuit, je te sors des mastodontes de, je sais pas, 800 grammes. Bon, allez, 500 grammes, 600 grammes, je sais pas. Bon, là, il ne veut pas en avoir, je te dis, j'ai récolté ça cette semaine. Donc, ouais, voilà, ça. Ouais, ça me sort ça, quoi. Donc, tu vois, ça fait quand même des beaux fruits, quoi. Mmh. Des beaux fruits, là, c'est pas les plus gros, mais ça, même, de toute façon, le client, il est content avec ça. Hein. Ça, ou je vois que j'en ai une aussi, bah là, t'en as là, regarde le nombre de fruits. Ça, ça n'a pas dû être trop récolté, mais et tu vois, il y a encore de la fleur et tout, donc là-dessus, j'en faisais pas, je te dis, les années précédentes, c'était ça, quoi. J'avais ça qui sortait, et j'en avais 4 par pied, et les pieds, au mois d'août, ils tombaient malades, ils avaient une sale gueule, donc, oh merde, marche sur les haricots, donc là, je suis content, hein. Et je te dis, idéalement, c'est fermé en aspersion, 90% d'humidité, 30 degrés, là, elles se kiffent. Et je trouve que le verre il est bien plein, on est quasiment mi-août. On verra à la fin de saison. Hein. Moi j'ai d'autres maraîchers qui m'ont dit bah tu vas voir des maladies qui vont se créer et tout. Et bah pour l'instant je suis pas certain. À mon avis, c'est un peu comme le mildiou sur la tomate, c'est si t'as trop en température, bah t'as pas les mêmes. Si t'arroses en plein les serres ouvertes qui fait 20 degrés, à mon avis il y a des maladies. Mais bon, donc affaire à suivre, mais tu vois, ça, je suis trop content quoi. Puis au prix où je les vends, c'est de l'or. Regarde, là c'est magnifique. Cette taille-là. Ça. Regarde comment le pied il est plein. Bon, on peut les compter, hein. On peut dire le pied qui est là. Regarde, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, bah, t'as 22, 23, 23, 25, tu as même 25 par pied. Quoi. Je veux dire, j'avais jamais vu ça, il y a encore des fleurs. Et on est que mi-août, donc. Ouais, je suis très surpris. Ah bah tiens. Ouais, les aubergines, tu les as plantées mi-avril. Mi-avril, début mai, un truc comme ça. Aubergines, poivrons. Les poivrons, ils ont complètement merdé au tout départ. Donc, j'ai dû les replanter, j'en ai refait une plantation. Okay. Piment, pareil. Aubergines, ça a été. L'écartement, il doit avoir 60 cm, c'est peut-être pas assez. Il n'y a qu'un seul rang. Et la variété, je dirais que c'est Barbantane, comme d'hab. Tous les gens, je prends celle-là. Il faut que je vérifie quand même, mais je dirais Barbantane, c'est classique. Okay. Alors, en fait, je les ai faites tous les ans, je les foire, donc j'ai pas mis vraiment un gros investissement dessus. J'ai dû faire un désherbage entre temps. Il y avait des courgettes avant et des concombres à leur gauche. J'ai dû faire un désherbage. En fait, j'avais cultivé du semis radis, tout ça en début de saison. Après, j'avais planté les aubergines dedans. Et puis j'avais mis ensuite, une fois que j'avais fait ma récolte, j'ai mis des bâches. Des bâches classiques pour éviter que ça s'enherbe trop. Il y a sur le rang là, il y a eu un désherbage. Okay. Ceux qui ont réussi quand même à sortir. Et en vérité, ouais, c'est Barbantane. Il y a peu de chances que ce soit autre chose. C'est ce qui marche le mieux. Et donc là, ça a carrément bien marché. Donc je pense que l'année prochaine, j'en fais une serre complète. Et là, j'ai un gros problème sur les rats. C'est les rats là qui me poussent. Ouais, en pommes de terre, en tomates et en. Là aussi, les tomates en extérieur, là, je me suis bouffé. Il y a trop de rats. Là. Franchement, c'est une année. Donc tout cet hiver, je vais piéger à fond. Éviter d'en avoir, mais là sur les tu peux les voir, mais sur les aubergines c'est cata quoi. Et sur l'arrosage, du coup, tu disais pour conduire en chaud, ouais, j'arrose. Et tu sais, et comme il y a les bâches, ça rentre pas dans le sol en fait, c'est juste pour je pense qu'elles boivent par les feuilles, comme ça, par okay. Hygrométrie en fait, ouais, hygrométrie, ouais. Vu qu'il y a les bâches, l'eau, il n'y a pas de goutte à goutte en dessous, quoi. Donc c'est dès qu'il fait trop chaud, tu vois, dès qu'il y a une journée pleine de soleil, tu montes à 40 degrés dedans, j'arrose un quart d'heure, je vous les vannes quoi. Donc ça dépend, j'ai arrosé vachement au début. Au début mai, juin, on a eu du beau temps, pas de flotte. Et donc là, j'arrosais souvent. En fait, tous les jours, quasiment tous les jours, arroser. Et donc des petits arrosages pour faire monter l'hygrométrie et baisser la température. Et on m'avait dit, bah, tu vas voir, elles vont être malades rapidement, l'eau sur les feuilles et tout ça.
des acariens, des trucs comme ça, et en fait, pas du tout. Quoi. Là, elles se sont... En tout cas, cette année, ça s'est bien débrouillé. Là, tu les vends à combien, du coup? Je les ai redescendus à 6. Je les vendais à 8. Je suis redescendu à 6, là. Ok. À Paris, mon resto, là, il m'en prend 30 kilos par livraison. Donc, c'est quasiment entre... Là, ça dépend si j'ai 2 livraisons ou 1 livraison par semaine. Eux, je suis à 4, ce qui n'est pas très logique. Mais bon, comme il est touché à 2,10, j'ai fait un... Et puis, ils m'en prennent 30 kilos, donc j'ai fait un effort là-dessus. Donc là, en rendement, tu sais combien t'as eu à peu près sur ta planche? Bah là, pour l'instant, depuis que j'en sors, c'est-à-dire depuis mi-juillet, j'en sors 50, 60 kilos semaine. Ok. Sur un rang. Donc, un rang de... Et ça fait combien de mètres carrés, du coup? Bah, un rang, ça fait 50 mètres de long, donc ça fait 50 mètres linéaires. Tu dois avoir 60 plans. Ok. 60 plans, donc tu vois, ça fait quasiment, je pense, allez, peut-être un peu moins d'un kilo par... ouais, mais là, ça pèse vite lourd, hein. Elles sont comme ça, elles font bien 600-700 grammes, donc t'en sors deux, t'as ton kilo. Quoi. Là, elles commencent à être plus petites, et puis je te dis, j'ai les rats qui les attaquent. Donc là, c'est chier. En fait, ils attaquent surtout les grosses. Donc pour l'instant, je m'en sors pas trop mal, je récolte avant qu'elles soient trop grosses. Là, je vais voir, j'ai pas encore fait la récolte pour aujourd'hui, je pars à Paris à tout à l'heure. Donc je vais regarder, mais en gros, si j'avais une serre, ouais, je pense que je sortirais 100 kilos semaine sans problème. Quoi. Voire plus, quoi. Et là, pour le repiquage et le désherbage, ça t'a pris combien de temps, tout, tu penses? Le repiquage, c'est rapide, t'as une heure. Ok. T'es à 60 plans, hein, donc même pas une heure, je pense. Oui, ça, t'as... Ce qui est le plus long, c'est, tu vois, poser les bâches, c'est ce genre de truc. C'est vrai, ça t'a pris combien de temps? Bah, c'est des bâches d'un mètre, donc, l'année prochaine, je les ferai sur toile tissée. Toute la serre là-bas, je fais tout sur toile tissée. Je fais ma première culture. Les radis, les roquettes, moutardes de début de saison. Après, je fais une toile tissée et je mets les aubergines, poivrons dedans. Je sais pas, poser la bâche, c'est même une heure, tu vois, poser une bâche. Quoique là, il y avait 4 bâches, non, peut-être 1h30, 2h. Hein. Et désherbage, 1 heure aussi. Ouais. Okay. Ouais, t'as un peu de temps quand même. Et là, la récolte, ça te met combien de temps pour sortir les 60 kilos? Bah, en gros, je sors 3 caisses. Pour le restaurant, normalement, c'était lundi, jeudi, mais là, comme ils reprennent, là, l'activité reprend, là, j'en finis aujourd'hui. Bah, là, il va falloir que je sorte 5 caisses. Donc, je sais pas, je vais mettre 5 caisses, ça va mettre 3 quarts d'heure à peine. Ça va vite, hein. Une caisse à 5-7 minutes. Ok. Et une caisse, c'est combien de kilos? 10 kilos. 10 kilos. Ouais, c'est, allez, 10, on va dire 10 kilos, 10 minutes, quoi, même pas. Ok. Franchement, quand il va, que c'est des beaux calibres, et qu'il y en a, je t'avais montré sur l'autre vidéo qu'on avait faite, il y a 20 plans par pied, quoi. 20 fruits par pied, vraiment. Et des beaux trucs, donc non, cette année, moi, l'année prochaine, je le fais dans les serres fraisiers, comme ça, les températures, elles montent bien, et puis, idéalement, il faut un arrosage au-dessus. Parce que là, j'ai un arrosage en aspersion au pied. Donc, en fait, si t'as des plants qui sont à ras de ton asperseur, bah, ça va pas au bout. Alors, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour générer de l'humidité dans l'air, quoi. Mais l'année prochaine, je mettrai des asperseurs en haut, et sur toile tissée. Comme ça, l'eau, en plus, elle pénètre dans le sol. Alors que là, ça fait des flaques d'eau sur ça fait des flaques sur les bâches, quoi. Mmh. Donc, c'est pas encore l'idéal, mais franchement, moi, là, d'habitude, je te dis, je sortais 3-4 aubergines grosses comme ça, par pied, par an. Et puis au mois d'août, ça devenait malade, il y avait des acariens, et ça avait rien donné, quoi. Alors que là, j'ai sorti, ouais, même ne serait-ce, je sais pas, j'ai dû sortir 150, 200 kilos, je sais pas, j'ai pas compté, mais c'est propre, quoi. Donc l'année prochaine, je l'ai fait comme ça, je l'ai fait en petite serre comme ça, arrosage à fond pour l'hygrométrie. Alors c'est pas des gros arrosages, je fais jamais genre à laisser couler la nuit, quoi. Je fais plein de petits arrosages, c'est ce que j'avais lu, c'est que les tomates, elles préféraient des longs arrosages, un peu rares, mais espacés, mais plutôt des longs arrosages. Là, c'est des arrosages assez courts. Tu vois, quand je veux faire tomber la température, j'arrose 20 minutes maximum, entre 10 et 20 minutes. Et en début de saison, les serres étaient carrément fermées. Quand j'arrose, tu arroses un quart d'heure. À la fin, tu vois plus l'autre côté de la serre. Il y a des brouillards, quoi. Ah ouais, okay. Ça crée de la condensation, du brouillard dedans. Elles étaient là-dedans, quoi. En gros, tu vois, ça te donne une idée de comment elles ont poussé mai, juin, avec en gros un mist, tu vois, un brouillard qui tu voyais pas, je te dis, l'autre bout de la serre. Pendant une demi-heure qui suivait, et les serres étaient fermées. Donc, tu vois, mai-juin, serre complètement fermée. Bah, je sais pas, tu pourras filmer la serre. Elles sont fermées sur les côtés et fermées au bout, quoi. Et au bout, dans la bâche, il y a juste une fente, pour rentrer dedans, quoi, pour se faufiler dedans. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait qu'elles ont très bien démarré. Et on a eu un mois de mai et juin hyper chaud, hyper sec, quoi. Donc, comme moi, j'aurais foutu de la flotte, à mon avis, elles ont surkiffé. Elles étaient à 35 degrés, là, tout le début de la saison, quoi. En permanence, avec, quand je te dis, quand tu vois pas, il y a de la buée, du brouillard jusqu'à l'au bout de la serre, alors 99% d'humidité, quoi. Donc, voilà pour l'itinéraire aubergine.